petite VOD pour la découverte de Resident Evil 4 démo. Démo sur Steam du remake qui sortira dans quelques temps, pas dans très longtemps, dans une semaine, deux. Et du coup, on va voir si c'est sympa. Coucou la voix de YouTrouble, n'oubliez pas C et Lox la meilleure. Merci, merci beaucoup. Merci. Lox Batros, oh c'est sympa ça, j'aime bien ça. Je verrais bien le catch WWE 2K23. Je sais pas. Je fais pas trop de versus fighting, hein. Donc je sais pas. Alors sous-titre, on va peut-être mettre oui quand même. Ça, on va mettre casque et icône de touche. J'en veux pas. Parce que j'aimerais bien être à la souris et au clavier. Si c'est possible, on va voir. Alors, luminosité maximale, le curseur. Déplacer le curseur jusqu'à ce que le motif soit à peine visible. Mais à peine visible, c'est-à-dire trop lumineux, c'est ça? Ah, c'est bizarre comme... Mais c'est vrai que tous les jeux sont trop sombres, moi, d'habitude. Donc, dans les jeux d'horreur qu'on fait en stream, je les mets toujours à 70-80% luminosité. Et pas aux 50 habituels, voire aux 40 habituels conseillés. Parce que sinon, on voit R. Du coup, voilà, luminosité maximale. Ça, là, le motif, il est à peine visible. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, on va faire l'inverse, alors, maintenant. Et c'est là que je mets un peu fort. Parce que sinon c'est chiant. Tac. Alors, déplacer le curseur jusqu'à ce que l'image au centre soit à peine visible. Ah mais voilà, là déjà je trouve ça trop sombre. Parce que regardez à gauche. Bah à gauche c'est pas dingue. Donc je vais laisser au milieu. Je vais même faire comme ça. Les pré-réglages suivants sont disponibles via l'onglet accessibilité du menu. Accessibilité visuelle, auditive, contre la cinétose. La cinétose. Qu'est-ce que c'est la cinétose? Cause I'm a last natural. Le traçage du ray. Le truc, ouais, alors je verrai. Non, c'est chiant, mais pourquoi... Ah non, mais vous voyez bien. On dit rétrécir, non, mais c'est... non, rétrécir même. J'ai pas pu tester. Bon, allez, on va dire. Allez, j'accepte. Est-ce qu'on peut jouer, s'il vous plaît? Non. Je peux pas déplacer. Ah, faut que je fasse ça. Voilà. Bon, tout ce qu'il faut accepter pour pouvoir jouer à un jeu. Je veux pas signer un contrat, je veux juste jouer à un jeu. Et là, on partage de données sur le jeu. Activez vos données de jeu. Oui, vas-y, vas-y. Je dispose d'une fonction de sauvegarde automatique. Est-ce que je peux jouer? Oui, Shenzhou Demo. Alors, je suis en fenêtre, mais vous voyez le jeu comme il faut, donc on va dire que c'est bien. Signe avec ton sang. Est-ce que vous... Non, j'ai l'impression de voir l'épisode de South Park, là. N'importe quoi. Ceci est un papillon, et il est beau. Ok, c'est parti. Let's go. En vrai, déjà, le jeu, je le trouve beau. Je suis contente. Voilà. Le ray tracing, il faut que j'enlève, tu m'as dit. En affichage ou graphisme? Ah, je suis des oui, évidemment. Bah, si, je suis des réduites. Réticule blanc, viseur, Graphisme 4K. Il paraît que c'est bien de quand même mettre du 4K, même si on n'a pas un écran qui est censé faire du 4K, parce qu'on voit quand même une différence, notamment au niveau de la fluidité. Et maintenant, faut quand même avoir, faut quand même avoir des capacités d'ingénieur pour comprendre tous les paramètres. Hein. Désolé, mais la transluminescence... Oh, on peut faire des trucs... démembrement visibles, oui. Flou cinétique, non, ça fait mal à la tête. Environnement destructible. Lens flare. Aucune idée de ce que c'est. Spécification du PC. Oh, on voit mes spécifications. Je connaissais pas. J'oublie toujours quel processeur j'ai.
La prochaine fois que j'ai besoin, je regarderai. Il est sorti par la bite, celui-là. Bonsoir Vénus. Bienvenue à toi. Mais inactif le traçage de raies. Eh ben, c'est très bien. Vous êtes sûr de vouloir jouer? Vous êtes certain? Ce jeu fait peur, on vous a prévenu. Est-ce que vous avez tout signé avec votre sang? Est-ce que vous pouvez faire un rituel vaudou pour accepter? Est-ce que vous acceptez qu'on sacrifie vos enfants? Non, parce que sinon, nous on se dédouane, hein, désolé, hein, au cas où. Allez, c'est bon. On va dire que c'est ok, hein. Let's go. On est sur la démo. Moi, je vois pas ça au bon endroit. Bon, franchement, c'est pas grave. Tant que vous voyez bien, ça me va. Ça me sortira pas du jeu. Bienvenue, Vénus. Petite question, c'est sur quelle plateforme Steam, etc. Je sais qu'il est sur Steam et je pense qu'il est sur console aussi. Mais en tout cas, moi, j'y joue sur Steam. Après, est-ce qu'il est sur GOG, par exemple? Je ne sais pas. Je sais qu'il est pas sur Epic. Voilà. Et vu qu'il est prévu sur console, je pense qu'il est aussi sur console, genre... ça m'étonnerait pas... Enfin, je pense qu'il est sur PlayStation, Xbox. Hein. Steam, PS4, 5, Xbox, ouais, voilà. Une date gravée à jamais. Oh. Vas-y, je cache ma cam pendant la cinématique. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques Epic, créées non. Par okay. Un malin. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Leon. Ensuite, à l'époque, il n'était pas doublé les jeux. Ça fait plaisir qu'il le soit, hein. Moi j'aime bien. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement. Il est trop dark. L'émission éprouvante. So dark. Presque ma peau. Mais au moins, Dragon City. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là. La douleur. Ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Je veux un raton laveur. Il le faut. Ah, quel BG, quoi. Un BG pensif, là. Il faut que j'ai une grosse voix, non? Non, je vais faire... je vais faire avec un peu d'écho. Un petit peu comme ça. Voilà, comme ça. C'est pas mal. Là, on est bien, là. Oui. Peut-être avec un magnétophone. Ah, pourquoi pas, hein. 6 ans, ce sont... Non, je suis pas sûre. Non, on va être pensif. 6 ans, ce sont... Je vais y arriver. 6 ans. Allez, 1, pas 5. Se sont écoulés depuis que Leon S. Kennedy a échappé de l'incidence de Dragon City. Une catastrophe biologique sans précédent causée par Umbrella Corporation. Corporation. Après s'être distingué en tant qu'agent spécial au service du gouvernement américain, il se voit confier la mission de retrouver la fille disparue du président, rien que ça, Ashley, de son nom. Les recherches l'amènent dans un village isolé d'Europe, Espagne, normalement, où la jeune fille kidnappée aurait été aperçue pour la dernière fois. Rien, pas même son traumatisme passé, n'aurait pu préparer Leon au cauchemar et à la folie qu'il allait y retrouver. Espace ! J'appuie sur espace, le jeu m'a dit appuie sur espace, j'appuie sur espace. Elle a des plus beaux cheveux que moi, je suis kécho. Mais oui, c'est vrai, regardez-moi cette brillance, cette rutilance capillaire. Oh putain. Leon. Tu es trop hot pour ce monde. Je sais pas si c'est le bon bail à la manette, parce que à la souris, parce que j'ai quand même toujours joué à la manette au Resident Evil de cette époque, quoi. Mais pour la visée, ça me semble bien. La sensi est assez basse, donc c'est cool. Je sais pas si c'est très agréable à vous, pour vous de regarder. Shift, courir. Ah oui, mais là, il y a des barbelés. Mais où est-ce qu'il est passé? Qui ça, il? Tu dois retrouver qui, il? Non, parce que là, il y a d'autres soucis. Hein. Oh, c'est une bébête. Yeah. À poil, Léon! C'est Hanté qui demande, c'est pas moi. Hein. Bon, là, on est moins sur du à poil. Hein. Je vais passer. Tu peux lui faire retirer sa veste, son t-shirt, etc. Pour les viewers, pour voir, c'est pour la science. Nous sommes des aventuriers du gaming, nous sommes des chercheurs du gaming. Nous testons beaucoup de choses. Sachez que dans la
dans les... USH, t'es trop habillé, Léon. Fous-toi à poil. USH. Non, parce qu'il faut savoir que... Léon, je sais pas si on peut le foutre à poil, mais par contre, la fille du président, quand on avait fini le jeu, eh ben t'inquiète pas qu'on avait une tenue bien, bien découverte pour elle. On débloquait une magnifique tenue... pas des masses habillées, hein. Par contre, pour Léon, je sais pas si on, si on trouvait une tenue qui nous permettait de faire péter les pecs, mais on pouvait faire péter les nivards de la petite du président. Ça, vous inquiétez pas. C'est important. C'est important de montrer les nichons, quand même, hein. Fille du président mineure. Oui, je crois qu'elle était mineure, effectivement. Effectivement, effectivement. Et elle avait des faces où elle était à quatre pattes et je vous garantis que, bref, hein, voilà. Avec sa petite tenue, je sais plus, je crois que c'était pas Pom-Pom Girl, mais c'était une tenue qui me fait penser à ça. Je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle que c'était fort dévêtu, sachant qu'il avait l'air de faire tout de même légèrement frisquet, hein. On voyait bien les tétons et je vous garantis qu'il devait pointer. C'est joli. Déjà, c'est joli. Je suis... voilà, je m'attendais pas à moins. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Il écrit quoi? Sera el juicio. Sera el juicio. Ça veut dire manger des pastèques. De ce que je sais. Évidemment. Comme vous allez me le confirmer tout de suite. On est mineur au bûcheron, on est toutes les filles du président. Ce qu'elle joue, c'est pour un ami Resident Evil 4. L'opus... l'opus original était sur Wii. Est-ce qu'il était sur GameCube? Je ne crois pas. Je veux dire jus de serre. Oh, ça jute. Ça jute tout de suite. Super, on parlait des Nibards d'Ashley, maintenant ça jute. Pardon, pardon. Concentrons-nous. Alors je suis clavier souris, hein, du coup c'est vrai que je fais pas ça de manière très fluide. Je vais voir si... Est-ce que ça sera pris en compte? Ouais, je vais faire la manette pour le moment, ce sera plus joli pour vous. Et s'il y a des phases de pampan, eh bien je ferai ça clavier souris, ce sera quand même plus sympa pour moi. On n'a pas de petite lampe torche, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a un inventaire? Non, j'ai pas l'impression non plus. Ok, c'est B pour s'accroupir, ça pourrait être utile. Ah, pardon, je veux un petit peu tanguer. Ah oui, mince, c'est les touches... les touches PlayStation. Mais vu que j'ai su clavier souris, j'ai un sélectionné spécial. Attention cinématique, je cache ma gueule. L'Oliga des cabrones, je me rappelle qui dit ça. L'Oliga des cabrones. Je sais plus ce qu'il dit avant. Trop stylé. L'Oliga des cabrones. Busco a un policía. Vino aquí. Ah, quel homme. Bilingue en plus. C'est lui? Non. Oh putain, son espagnol s'est hanté, elle a un crush. Oh non, il le dit pas là! Mais attendez, ils ont modifié la cinématique, ça veut dire? Elle était trop stylée! Ou alors c'est plus tard, mais il me semble que c'était celle-là. Léon Senpai, vous êtes tellement mystérieux! C'est la merde. C'est de la cave. C'est bien de savoir tout de suite quand on trouve une clé d'où elle provient, parce que moi, je passerai beaucoup de temps à chercher ça. Je suis moi-même un Apollon grec, je me doute. Mario Fernandez Castagno. Et ben on l'a castagné. C'est quoi votre avis? C'est un lapin? Oh oui, c'est un lapin. C'est un lapin de Garenne, je dirais. Ok, ok.
Ok, ok. J'ai sorti mon arme, je n'ai pas fait exprès. Mais on va fouiller un peu. Oh. Ça schlingue. Il y en a confin, petit creux. Bonsoir Ibernatore. Comment ça va? C'est qui Léon? C'est Léon. Non mais mince, je fais X à chaque fois mais c'est pas la même touche, c'est... bref. Je vais peut-être changer ça. Je peux le faire maintenant? Peut-être que ça va recharger, j'espère pas. Ouh, le petit potage, il... pas trop. Voilà, ça sera un peu mieux. Parce que je pensais pas jouer à la manette, mais c'est quand même un peu plus soft. Mais les coups de caméra et tout ça, pour vous, c'est un petit peu mieux. Oh oui, merci pour la lampe. Bon, du coup, il n'y a pas eu la même cinématique, j'ai l'impression, que dans l'opus original. Et je suis fort contrariée, parce que j'aimais bien la petite tirade qui nous sortait en espagnol. Là, il a juste marmonné en espagnol et il nous a après foncé dessus. Mais qui a chié dans la soupe? Oh là, c'est, si c'est chié, c'est des boyaux hein, qu'on voyait quand même. Hein. Ok, le jeu il me divisait plus tiré. Ça pue pas l'affrontement, ça déjà. Mais attendez, faut que j'aille où? Il y a une porte quelque part? Je crois pas. Hein. Là, ici, j'ai rien vu à loot. Et ça, c'est deux clapiers. C'est deux clapiers. J'étais en train d'analyser des clapiers en fait. Non mais je suis à la manette aussi, quelconque. Ah, je voulais changer. Oh les... J'appuie sur tous les boutons. Ah ça va être compliqué de switch hein. Je sais pas si la tête est vraiment son point faible. Donc j'essaye de viser le cou. Peut-être pas malin de ma part. Ah si, ouais c'est bien la tête. Parce que bah il avait quasiment plus de tête. Oh là là, j'ai pris cher, mais ouais, mais je suis passé clavier souris. Je vais rester au clavier. Mais mon petit Léon là. Oh. Je peux utiliser ça. Allez, on va se mettre un petit peu de déo. Important, même en mourant, c'est de sentir bon. Nécessito Pollo, effectivement. Qu'est-ce que tu dis ? Je sais pas quelle est la touche. Je vais faire comme ça. Je vais faire genre ça. Et je vais... Donc j'avance peut-être. Il fallait que j'avance. Et franchement, l'ambiance elle est réussie pour le moment. Oh, j'adore le point de vue comme ça, j'adore. J'ai plus que 2 balles! Ah! Je me rends compte que j'avais plus que 2 balles! Oh la mandale! Oh la mandale! Oh la mandale! J'ai plus qu'une balle! Oh non, 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 non! Non, j'ai raté! Je sens bien que c'est par là, non, c'est d'où je viens, c'est ça. Ok, super.
Ok, j'ai un couteau. Putain. Hache contre le couteau. Le coupage N2. Il est encore en vie, il est encore en vie. Le mort, il est en vie. Ok. Dans la soupe, et du coup, prends mieux les ingrédients maintenant. Prends mieux les ingrédients de la soupe. Taille-lui la barbe de près. Coup de boule dans le talon. Coup de boule du talon en pleine tête. Coup de boule du talon. Elle n'empêche, hein, qu'elle soit que ce Lyon. Hein. Bah, j'ai déjà vu ici, mais bon, je me suis dit peut-être qu'il y a des balles qui sont apparues. Je ressors, hein, du coup. Mais là, c'est fermé. Alors, par où que je suis pas déjà passé là, il y a une porte là, non? Yes. Mais ça a toujours. Quand même faire un petit check. J'ai plus une balle en fait. Oh. Mais c'est quoi, hein? Non, mais je pense que... Je pense qu'il n'y a rien. Généralement, on les voit d'assez loin. Alors après, j'ai mes... C'est ce que je me rappelle de mon expérience sur RE4. Premier du nom. Il semblait que les loots, on les voyait plutôt bien. Mais... Je peux me tromper. Bon, je sais pas par où passer par contre. Je me perds un peu. Pourtant, c'est minuscule. Donc je suis vraiment très mauvaise. C'est quoi ça? Une porte. C'est une porte. C'est une porte. L'escalier, j'avais pas vu. Maldito perro. Il a dit ça. Ça veut dire t'as mal dit perroquet. On prend mieux. C'est vrai que tu le dis parfois, j'articule mal. Et pour le moment, j'aime bien. Hein. Perchoir, ici Condor 1. Ici Hannigan, du nouveau? Oh, cette longe à l'once. Président Eglon, elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. On escorte. Ouf. Ah, la hache. Faut que j'y aille, je te rappelle. Oh, mais j'ai plus de balles. Non, il va avoir une cinématique, je vais devoir fuir. Ok, je me casse. Ouais, voilà. Ici, Unigan, ton pantalon n'est pas assez moulant. Vite. La pire hantée. Il va me l'acheter, il va me l'acheter, il va me l'acheter. Non. Ah, c'est marrant. Et là, il repasse. Là, il fait un petit... Bon, je suis pas sortie de l'écran parce qu'il faudrait que je bouge beaucoup, flemme. Mais... Avec le truc, on dirait que ton émote hantée, elle regarde justement Lyon. Lyon. Léon. Mais en fait, je dis Lyon comme ça parce que je me rappelle de Ashley quand elle appelait Léon. Avec sa petite voix. Et là, il saute aussi. Et il jette un H. Moi, j'imaginais ça, moi. Oh, le corbac. Je vais pas lui tirer dessus, de toute façon, j'ai pas de balle. On est d'accord que... On est d'accord que là, on est sur... Sur un bail d'autruche, un peu, là, non?
de raptor, quoi. T'as vu la taille du Korbak? La taille du truc? Korbak, c'est grand, mais là, le bec... Le gros bac. Il est énorme. Mais il est énorme, on est sur du bail de pélican, là. Après, Korbak, trop badass. En bouillon. Merci, je peux recharger? Ah non, ça j'ai fait E. Grazie mille. Oui, en italien, pourquoi pas. Les points de sauvegarde! Je peux pas! C'est normal, c'est la démo, on peut se sauvegarder dans une démo. La poudre noire. Ça, c'est pour crafter des balles. Non, je peux pas. Mais au moins, il y aura une save ici. Ok. Comprenez hein, pourquoi je mets la luminosité assez, assez élevée dans les jeux d'horreur ou trucs comme ça. Parce que là, on est en plein jour. J'ai mis la luminosité élevée et voilà comment on voit. Alors imaginez quand tu fais la vraie luminosité conseillée. Non mais le Korbak, regardez la taille du loup à côté du corbeau. Il fait minable. On dirait un Yorkshire. Un Yorkshire. Oh le loulou. Ouais, voilà, je vérifie bien qu'au clic gauche ça fasse sexe et pas que ça tire une balle dans le vide. La poudre de cheminette, c'est de la bonne. Y'a pas de Revelio ici non plus. Hein. Oh! Oh, il est beau cet arbre, il a poussé. Je pense qu'il a poussé d'un coup. Genre. Oh, comme ça. Je suis la nature! Craignez ma puissance! Non, je sais pas, on dirait un peu, non? Je sais pas. On dirait un peu que les arbres ils ont poussé d'un coup, je trouve, hein. Mouais. Eux, pour s'accroupir, c'est pas fou, hein. Je ne te démo. Pas de réveillon, mais à ta manière, elle inspire Pendo quand un zombie apparaît. Oh non, ça va, c'est pas le genre, ça. Flipendo. Ah! Oh la vache! Je panique, j'ai un IM de fou en plus, c'est ça qui est génial. Oh mince, j'aurais pu l'achever. Ah! Alta! Et oui, je me rappelle, on faisait ça pour économiser des balles. On faisait un coup mêlé. Puis après, on achevait au sol, comme ça. Je me rappelle. Remember that. Ouh, fatality. Ouh, les petits taf. Où sont Ketas? Les pesetas. Je sais pas d'où ça me vient cette fois. Ok. Chute de FPS. On va bien vivre. J'ai pas vu, hein! C'était ça la chute de FPS! Non mais d'où quoi? D'où là? Merde! Faut que je fasse gaffe. Ah! Oh le réflexe! Attention! Coup de pied! Attention! Couteau! Même si c'est plus nécessaire. Attention! T-bag! Attention, c'est de la bonne. Et là, du coup, on va pouvoir faire un swing. Non, mais le jeu, il est trop généreux. Il va se passer des buys. Fabriquer des objets. Fabriquer des munitions avec la poudre noire. Raccourci d'armes. J'accepte comment raccourci quand je suis au clavier? Il est possible d'assigner jusqu'à 2 armes par direction. Ok! Il le fait tout seul. Mais j'ai un petit soin. Par contre, je me rends pas compte de ma vie. Je me rends pas bien compte. Il faut quoi avec?
Il faut une barre de chocolat un petit peu en cake, un petit peu bizarre. Ok. Comprends-moi. Et là, qu'est-ce qu'il veut me dire pourquoi mon... Ah non, c'est parce qu'elle est équipée, c'est juste pour ça. Okidoki. Ah, mais c'est ce que je peux fabriquer. Hein. Ah, ma vie, je suis midlife. Est-ce que je prends un soin? Ok, c'est ça. Par contre, j'ai pas mes raccourcis. Ah. Oh, ah, c'est pour se tourner vite. Ok. Contrôle, Alt. Ah non, peut-être souris. Ouais, voilà. Alors, j'ai pas le soin dans mes raccourcis. Ça, c'est un peu dommage. Et on se fait déçoit par deux paysans. Titre, non mais... Le réflexe, t'as vu ? Visage de paysans qui cachent des grenades aveuglantes et des munitions. Alors qu'ils savent pas cuire de la viande correctement. Ils ont juste des goûts différents. Ça y est, ça juge les autres cultures là. Non mais c'est quoi ça? Tu as signé le soir, mais je sais pas comment en fait. Voilà, je vois pas comment. Déplacer, shift. Confirmer, fermer. Non mais je sais pas. C'est un peu chiant. J'aurais bien aimé. Ah oui, peut-être qu'il faut que je fasse genre 4. Attendez. Est-ce que si j'appuie sur 4 en faisant ça? Non. En fait, il m'a pas dit la touche pour accéder à mes raccourcis depuis ce menu. Non, je juge les gueux, c'est pas pareil. C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié, j'avais oublié. Pardon. Il y a un truc qui est tombé, il y a une patate. Il y a une patate. Elle est chelou la patate. Hein. Hein? C'est quoi la touche qui m'indique là? C'est un endroit où je peux avoir des jumelles. Je pensais pas qu'il était vivant. Et pétiton. J'essaie de plus lancer. Ah, comme ça! Je suis trop loin là. Quoi ça? Oh, je suis dans la... Oh, je suis dans la giga sauce. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'écoute le jeu moi? Une vieille. Pardon. Ah, j'ai détruit la vieille. Je vais me coincer, je vais me coincer ici. Bon, super. Oh bah génial. Ah ça, je me rappelais que ça faisait ça. Mince, comme ça. Et hop là. Ça s'arrête jamais, il a dit. Effectivement, ça risque de pas s'arrêter. Le mec à la tronçonneuse. La démo va s'arrêter là, j'espère pas. Hein. Bon, je comprends pas trop ce qu'il y a là, mais. Hop là!
déchanti par la bite, celui-là. Merci Marvel Galactus. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Je peux passer par là? Bah non, pas du tout. C'est le moment. Bonsoir. Oh, grenade. Ouf, c'est bon ça, comment je l'équipe? Ah oh, mince. Désolé, vous occupez pas de moi. Oh, ça y est, j'ai trouvé la bonne maison. Mais il faut que j'aille là-haut. Oh, le foire route. Je crois qu'il faut que je passe là. Yes. Descendre, j'aurais peut-être pas dû, peut-être pas le best idea ever. Mais là je retourne chez moi. Non ! Mince, j'ai appuyé sur D. Moi je me déteste. T'es fan de Resident Evil ? Fan, je sais pas parce que je les ai pas tous faits. Mais en tout cas le 4 je l'aime beaucoup. Et le 7 et le 8 aussi. Et après ceux d'avant j'ai jamais trop fait. Et voilà. Et en gros... Est-ce qu'il faut que je remonte? Je pense qu'il faut que je remonte. Je m'en rappelle plus. Ah, je m'en rappelle plus. Je sais pas s'il faut faire un truc pour arrêter l'event. Genre tuer le gars à la tronçonneuse ou s'il faut le fuir, je me rappelle plus. Et par contre j'arrive pas à accéder. Ah, attendez, je peux peut-être faire comme ça. Oula. Est-ce qu'il faut que je fasse un truc? Je ne sais plus. D'accord, j'ai raté. J'ai tenté. Je t'en supplie, espace! Ah, il avance. Ah, attendez, il a bugué. Merci pour le follow. Amiibo Lucas. Ou Lucas. Je ne sais pas. C'est vrai, ça se finissait comme ça. Cette scène. Non, surtout le 4, j'adore le 4. Merci le bug, bah je pense que c'est parce que ça sonnait en fait. Que je pouvais pas faire ce que je voulais. Mais c'est pas grave. En live le 4, ouais, complètement. J'avais oublié qu'il sortait dans si peu de temps. Et là pour le moment, la démo me plaît hein. C'est que comprendre qu'il y en avait qui étaient mitieux, méchants, franchement, c'est à la hauteur de ce qu'on peut demander, hein. Pour un remake, un lissage graphique évident, voilà, un boost graphique, le jeu est beau. L'immersion, j'ai l'impression qu'elle est encore mieux. Il y a une fête. Non, ça va être bien, hein. Resident Evil 4. Bientôt chez tous vos grands marchands de journaux. J'ai obtenu 4050 pistitas. Ok, très bien. Et ben ça va être cool. Et bon pour un remake, le jeu aussi. En tant que je suis sur fan de Léon. Du coup, des bisous.
C'était la démo de Resident Evil 4. Bye bye, YouTube.